Bonjour et bienvenue, c'est Petit Chinois DNC. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sixième partie du Let's Build Steampunk, enfin de la maison Steampunk. Donc, la dernière fois, on avait relativement bien avancé, me semble, parce que la dernière fois remonte quand même à un petit moment. Donc, maintenant, vous voyez qu'il y a un terraforming. Donc, j'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment sur cette construction, mais maintenant il y a un terraforming. Je voulais mettre des îles volantes, je l'ai fait, je suis revenu sur ma décision parce que je trouvais que avec des îles volantes ça rendait pas forcément comme je le voulais, donc voilà, j'ai préféré mettre des îles complètement normales, donc voilà, assez petites, hein, tout autour. Et je pense que je vais peut-être continuer la carte avec ou sans vidéo, je ne sais pas encore, je verrai. Ah oui, tiens, il faut d'abord que je règle un petit truc, hein, j'ai pris un screen. Il faut d'abord que je règle un petit truc, parce qu'on m'a relevé, Sarah Notme m'a relevé que j'avais oublié une fence, tu vois, l'œil de lynx a relevé que j'avais oublié une fence ici, où je viens de la placer, donc je viens de la mettre, voilà, donc maintenant, je te défie de trouver un autre problème, parce que je n'en ferai plus, tu vois, je suis un fou, moi. Donc voilà. Il n'y aura pas d'autre problème. Donc, je sais plus ce que je voulais faire dernièrement. Je sais plus si j'avais envisagé de faire quelque chose de particulier ou non. Je dois vous avouer, puisque ça fait une semaine que je suis pas revenu sur la carte. J'ai pas eu le temps de continuer. Donc, voilà, on va essayer de s'y remettre. On va essayer de s'y remettre petit à petit. En mode tranquille. Alors. Déjà, j'ai pas fait la liaison aussi, hein, vous voyez, j'ai chopé la maison, je l'ai collé comme ça, donc il y a encore rien qui est fait. Je vais sans doute mettre une base ici un peu plus dure et continuer la chose, mais je vais faire ça après. Donc, alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est venir continuer un peu là ici. Je trouve que c'est un peu trop clean, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu trop... Il n'y a pas assez de what the fuck is. Hein, on va inventer des mots. Il n'y a pas assez de what the fuck est ici, tu vois. Donc, il faut qu'on mette du what the fuck. Je ne peux pas... Ah oui, attendez, j'avais pensé à un truc. La dernière fois, quand j'étais en cours, j'ai eu un trait d'imagination qui m'a traversé l'esprit. Ça fait... Regarde, c'est ça qu'il faut que tu fasses. J'ai fait, non, sérieux. Donc, alors, attendez. Ici, je pensais faire... Vous voyez, on a une extension en dessous. On pourrait prolonger les poteaux qui sont ici. Donc, celui-ci et celui-ci vers le haut pour pouvoir soutenir une extension. Ouais, mais c'est tout petit, en fait. En fait, ce qui aurait été cool, tu vois, ça aurait été de faire une extension avec un toit en pente dans le même style que celui-là. Bah, c'est quoi, on va essayer, hein. On va tester et on va voir si ça le rend bien ou non. Si ça le rend pas bien, bah tant pis. Si ça le rend bien, bah tant mieux. Mais on va tester ça, on va voir vers quoi ça tend, si on peut envisager d'avoir un truc intéressant. Donc un truc... Calm down. Cool, mon gars, cool. Je sais pas si vous avez entendu ce magnifique bruit. Alors ça, c'est le bruit de quand on rentre dans les cavernes, tu vois. C'est pour ça qu'on est des bons builders qu'on se démerde pas mal en build à la Deep Academy. C'est parce que, tu vois, dans notre texture pack, on a des bruits d'un coup qui te réveillent. Donc forcément, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vite, continuons à build. C'est pour ça qu'on est des grands malades. Alors vraiment, toute petite extension, vous voyez, plus dans la prétention de celle-ci. Pourquoi y a-t-il des enclumes? Pourquoi y a-t-il deux enclumes superposées? Avais-je mis des enclumes? C'est une question intéressante. Alors juste deux secondes, je fais une game rules. C'est do mob spawning. Il me semble que c'est comme ça. False. Ok, pardon, autant pour moi. Je ne savais pas que, étant créateur de la carte, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Autant pour moi, je vous prie de m'excuser au grand jeu Minecraft de ma méprise envers votre magnificence. Donc là, on fait un toit. Un toit dans la même lignée. Vous voyez, je ne sais plus quel nom ça porte d'ailleurs. Il faudrait que je regarde mes petites fiches que j'avais fait pendant les vacances. D'ailleurs, pendant les vacances, tant que j'y pense, j'ai fait une chaîne YouTube en plus pour moi personnellement, tu vois, pour pouvoir poster du contenu
complètement personnel, tu vois, où on peut, où on verra ma gueule de temps en temps, tu vois, wesh négro, où on me verra de temps en temps, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je ne vous force rien, ceux qui ont envie de s'intéresser plus à ma vie personnelle, eh ben, allez checker, là pour l'instant j'ai posté 2 vidéos de Snow. J'ai voulu poster des vidéos de BMX, mais c'est dégueulasse, ça bouge dans tous les sens avec la façon dont j'ai filmé. Donc voilà, pour les plus intéressés, vous trouverez le lien vers cette chaîne dans la description, ce que je vais la rajouter, et aussi dans la subbox. Donc voilà. Et puis, tiens, tant qu'on y est dans les chaînes, on a aussi un nouveau membre de la Deep qui est Divine Medicus, un anglais, qui a posté récemment une cinématique, sa première cinématique sur sa chaîne, parce qu'il est arrivé il y a très, très peu de temps. Il y a genre une semaine, il a posté ça. Donc la cinématique est de moi. Je pense que ça se reconnaît. Il y a ma patte, c'est mon style. Donc la cinématique est de moi. Et donc, le build envoie aussi du pâté, hein. Bien évidemment, le build envoie du pâté parce que Deep Academy, les gars, on fait pas de la merde. En général, principalement, ne fait pas trop de merde. Alors là, j'ai un problème de liaison, comme vous pouvez le voir. Le problème de cette liaison, ça va être ici, au niveau de ce mur. Donc je pense qu'on va favoriser avec ici le toit le plus grand, c'est-à-dire le toit qui est déjà fait, cette façade-là. Parce que sinon, je pense que ça va foutre... ça va mettre, parlons avec un vocabulaire un peu plus élevé, ça va mettre un peu trop le fouillis. Donc voilà. Alors ici, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Honnêtement, je vous dirais que je ne sais pas. Là, on va juste remonter. Parce que vous voyez, si on va jusqu'au bout, ça risque d'être assez haut. Non, vous voyez, on va aller jusqu'au bout. On est des malades. On est des fous, mon gars. On va jusqu'au bout. Hop, de la nuit. Et ça va le faire. Donc là, vous voyez, vous dites, what, petit chinois, qu'est-ce que tu es en train de nous faire comme connerie? Alors, je vais vous répondre. Attendez 2 secondes que j'ai le temps d'exploiter la chose un peu plus correctement. On va juste se mettre un peu dans le côté lumineux. Donc voilà, donc là on a notre extension en mode comme l'autre ici, donc en mode je sais pas c'est quoi ce mode, on va dire qu'il est tranquille, histoire de changer. Donc en mode tranquille, on a notre extension ici, et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va dans la même lignée rajouter un toit, comme ici, vous voyez, on va rajouter ce toit là qui va ressortir à partir d'ici, sans aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Non, attends, on va pas le mettre tout en bas, sinon ça va être un peu trop... on va plus se sentir pissé. On va le mettre ici, on va l'avancer. Tu vois, on va faire une avancée ici, en mode posé, tranquille, mon gars. Donc on fait une autre avancée tranquillement. Et pour ceux qui veulent le faire pas tranquillement, vous avez aussi le droit. Mais on va faire notre petite avancée ici. Et donc avec le toit au-dessus, dans la même lignée que celui-là. Et donc ici, ça va se relier. Bon, on pète ça, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Ça va se relier. Ça, on peut l'enlever. Voilà. 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 Donc vous voyez, là, on aura donc une extension avec le toit ici que je vais tout de suite copier-coller. Parce que comme je vous l'ai dit, les gars, faut pas s'embêter avec les trucs que vous avez déjà fait. Vous faites des copier-coller. Franchement, s'il y a un gars, que d'ailleurs je remercie hein, énormément, qui a inventé World Edit, l'a fait, c'est pas pour qu'on lui crache à la gueule, tu vois, c'est pour qu'on aille le remercier. Pour qu'on aille lui dire merci, je t'aime. Veux-tu partager une session de build avec moi? Non, tant pis. Donc tu vois, si on a créé World Edit, c'est pas pour rien. Rotate, moins 80, je ne sais même plus. Je ne sais plus. 90. Past moins A. Non, je suis fatigué. Hein. Past moins A. Oui, je suis fatigué, c'est la fin de la semaine, les gars. J'ai une semaine éprouvante. Ce matin, je n'ai pas eu cours et je n'ai eu que 2 heures de cours très, très fatigantes. Alors là, la question qui va nous être posée indirectement par le biais de ce build,
par le biais de cette extension, c'est Jude, est-ce que tu vas descendre, étant donné qu'on a une grande distance, il serait intéressant de le faire en mode descente, tu vois, en mode comme les autres tours en fait. C'est-à-dire avec ce petit mouvement de descente vers l'intérieur de la construction. Alors on va le faire parce que, vous voyez, il y a quand même, ça se verra en fait. Ici, je le fais pas parce que ça se voit pas. Vous voyez, quand je le fais, on le voit pas. Donc là, on aurait pu le mettre tout droit. Mais vu qu'ici, quand même, ça sort pas mal. Tu vois, ça dépasse pas mal. Le mec, il a laissé la braguette ouverte. Ça dépasse pas mal. On va quand même... Attends, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. En fait. On va quand même faire notre petite descente, mais que sur un cran. Voilà, comme ça, au moins, on est... Parce que vous voyez, on va pas le faire sur le deuxième cran, parce que sur le deuxième cran, ça se verra pas au niveau de la descente. Donc ça va être... Ça va être good. Oh. Mon gars, je crois qu'on va pas trop être copains, toi et moi. Voilà, maintenant, on va être copains. On va se remettre un peu de lumière. Oui, je peux faire la commande Game Rules, mais je la connais plus. C'est Do Sticky White... Je sais plus. Je ne sais plus. J'ai trop de données à assimiler en ce moment. C'est une fatigue chronique, les enfants. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas de nouvelles vidéos, c'est parce que j'ai du mal à tourner en ce moment. Enfin, j'ai pas de mal, mais j'ai pas de possibilité pour tourner, étant donné qu'il y a tout le temps ma mère à la maison en ce moment. Et moi, je ne tourne que quand je suis seul, en fait. Donc voilà pourquoi je ne peux pas forcément tourner régulièrement en ce moment. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, elle s'est pété le genou. Vous savez, les ligaments, on se pète souvent les genoux. Bah voilà, elle s'est pété les ligaments croisés ou je sais plus quoi au ski. Vous voyez. C'est pour ça, faites pas du ski, les gars, faites du snow. Parce qu'au moins, quand tu tombes, tu vois, tu ne peux pas... Je crois pas qu'on snow, en snowboard, on puisse se péter les ligaments croisés. Il faut quand même y aller. En ski, oui, parce qu'il y a une torsion. Mais en snow, torsion... Tu peux y aller, quoi, avant de faire ta torsion. Je sais pas, hein. On part faire des roulés-boulés dans la neige, je ne vois pas trop les... En snow, comment tu peux te faire mal au genou? Au genou, je vois pas. Au poignet, je veux bien, mais au genou, non. Donc voilà, bref. Faites pas du ski, faites du snow. Comme ça, on pourra se faire des sessions. Des sessions hors-piste, les gars. Alors, là, on fait bien entendu notre petite équerre, pour que ça paraisse un minimum logique, vous voyez, pour pas qu'on se dise comment est-ce que ton truc y tient. Eh bien, par la loi de... Par la loi de la nature, de la gravité. J'aime bien cette maison. Alors, j'ai eu un commentaire sur l'épisode précédent qui trouvait que la construction n'était pas, ne ressemblait de moins en moins à du steampunk. Oui et non. En fait, moi, je trouve que le steampunk, si vous voulez, je pars du principe que le steampunk, c'est un style hyper... hyper vaste, où on peut, en fait c'est un style un peu hybride, où on peut faire un peu ce qu'on veut, je trouve. Donc c'est pour ça que le steampunk, honnêtement, il y en a de différentes sortes. Celui qui était sur la carte des épisodes précédents et que j'ai présenté en vidéo, c'est un steampunk plutôt Moyen-Âge, plutôt médiéval. Celui-là, je pars du principe que je veux le faire un poil plus industriel, vous voyez, puisque j'ai mis des engrenages, ce genre de choses. Moi, honnêtement, je trouve que le steampunk... L'aspect très intéressant qu'a le steampunk, c'est que on peut vraiment faire ce qu'on veut. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Après, certains sont peut-être plus à cheval sur les codes. Mais bon, le steampunk, je pars du principe que c'est un peu... On peut un peu mélanger ce qu'on veut. Si tu veux faire du steampunk chinois, mon gars, fais le steampunk chinois. Pourquoi il y aurait un problème? Puisqu'en fait, c'est plutôt une époque... Enfin, vous voyez, c'est assez... Franchement, ouais, il faudrait que je teste d'ailleurs le steampunk chinois. Le steampunk dans un style asiatique ou japonais, tu vois. Savoir que le chinois et le style chinois et le style japonais n'est pas forcément idéal. Il y a une petite subtilité au niveau des toits pour... qui vous permet de différencier le style chinois du style japonais, je me perds. Donc voilà, petite information sur ça. Alors on est un peu dans le noir, ça c'est quand on vit dans les villes modernes. Vous voyez, quand vous allez dans les grandes villes telles que même la France en fait, je raconte la France aussi, mais c'est un peu moins... prononcé dans les pays France, en France, puisqu'on a des vieux bâtiments, mais par exemple aux États-Unis, vous savez, avec genre New York,
Tu vis dans l'ombre, mon gars. C'est normal que les New Yorkais soient blancs. Tu ne peux pas bronzer, tu es dans l'ombre perpétuelle. En Australie, c'est la même chose. Vous avez des immenses bâtiments sur la... C'est comme la Californie, un peu l'Australie. Vous avez des immenses bâtiments sur la côte, c'est complètement n'importe quoi, mon gars. C'est n'importe quoi, moi, je te le dis. Bref, revenons un peu à notre sujet steampunk. Donc là, je pose juste des fans parce que je sais que je vais en mettre. Mais c'était pour que je puisse parler en même temps que jouer. Et là, en fait, je suis en train de chercher qu'est-ce que je peux rajouter en plus. Ce qu'on pourrait rajouter en plus, c'est un autre moulin. Ah non, souvenez-vous, j'avais eu une idée de malade, c'est de faire des petites îles rattachées, des petites extensions qui voleraient et qui seraient rattachées à cette construction pour avoir des fermes, ce genre de truc. Et le mec, avec sa musique, je veux lui faire cramer sa tronche. Excusez-moi, je sais pas si vous avez entendu, le mec, il met du Céline Dion. Normal. Sauf que le mec, il est quand même à 20 km de chez moi. Tu connais la puissance des enceintes, mon gars. Le mec, il est à 20 km de chez moi, il va faire du tapage chez moi. Normal. Genre, t'appelles les flics, tu fais, oui, il y a un tapage nocturne, c'est mon voisin qui est à 20 km là-bas, qui fait du bruit, s'il vous plaît. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc voilà, là, on a notre maison. Alors, sur ce pan-là, je ne vais pas rajouter quelque chose, parce que vous voyez que ça commence à vraiment être le fouillis. Ce que j'ai apprécié fortement, tu vois, je m'y retrouve parfaitement. C'est un très très gros bordel, et j'aime ça, j'aime le bordel. Ce qu'on va faire en revanche, parce que je parle, mais je ne fais pas, tu vois, c'est en France, c'est comme la politique, tu vois, ils parlent beaucoup, mais ils font pas grand-chose. C'est la politique française, vous inquiétez pas les gars, c'est normal, c'est français. Enfin, c'est la politique française en l'occurrence, hein, je ne vais pas accuser tous les Français de faire de la politique non plus. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que... Ok, mon gars, Céline Dion, je t'aime bien, mais un autre jour, quoi. Je sais pas, cool. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... je ne sais plus, Céline Dion m'a complètement perturbé, voyez-vous. On peut faire... Je vais me répéter plein de fois, mais... Ce qu'on peut faire, tu vois... Je vais mettre un compteur, carrément. Là, en fait, on va mettre... Tu vois, on va changer un peu de phrase. On va mettre... pourquoi pas un mini balcon ici parce qu'on peut se le permettre tout simplement. Alors la question est, est-ce qu'on le relie ou est-ce qu'on ne le relie pas? Et je pense qu'on va mettre des escaliers en équerre. Alors que les mêmes types d'escaliers que j'avais mis, non ça c'est l'escalier de toit, les mêmes types d'escaliers que j'avais mis là. Ah c'est l'idiot, s'il te plaît, arrête. C'est extrêmement chiant, tu vois. Tu vois, mon gars, toi qui écoutes du Céline Dion chez toi, si tu entends la musique qui est derrière chez moi, là, eh ben, sache que si tu l'écoutes fort, au bout d'un moment, tu casses les bijoux de famille des gens aux alentours. Donc, ne le fais pas par pur respect. Il y en a qui bossent, même si c'est, je peux pas dire que je bosse, étant donné qu'il y en a qui font du bénévolat. Tu vois, mon gars? Donc, laisse-moi faire mon bénévolat tranquillement. Donc là, vous voyez... Oh, putain, encore un autre. Ok, là, vous voyez, j'ai mis quand même un truc en mode soutien, histoire de dire, on peut mettre du bois, on peut mettre des trucs, sauf que le bois, je vous ai dit, je fais une sorte de tresse, donc c'est assez lourd au niveau structurel. Donc, je préfère mettre celui-là pour alléger la structure au niveau de l'entrée, vous voyez. Hop, hop, hop. L'intérieur, je vous le dis direct, je le fais pas, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais de toute façon, ceux qui me connaissent bien, ou ceux qui ont juste regardé la plupart des vidéos, ou juste très rapidement les vidéos, ça, vous savez, vous... Toi, mon gars, qui regarde la vidéo, tu sais que je ne place pas, que je ne fais jamais l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est complètement, d'après ma considération qui n'engage que moi, c'est complètement useless, donc inutile, pour le mettre en français. C'est complètement inutile, l'intérieur, d'après moi, donc je ne le fais pas. Et puis parce que ça prend du temps aussi, donc... Moi j'aime bien, tu vois, limite, tu vois, on peut partir sur un mode philosophique, genre, pourquoi les gens de la Deep Academy ne font-ils pas, généralement, la plupart du temps, les intérieurs? Est-ce que ce sont des gens superficiels qui ne se basent que sur le côté extérieur, donc sur la beauté de la chose, et qui, alors, par conséquent, ne considèrent en rien la beauté intérieure des choses? Eh bien, mon gars, je vais te laisser réfléchir sur ça. Parce que j'ai pas envie d'y répondre et parce que je suis moi-même incapable d'y répondre.
Est-ce qu'on n'aime pas la beauté intérieure des choses? Si, 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 on aime la beauté intérieure des choses. Sauf que la beauté intérieure des choses est intéressante quand c'est pas nous qui la faisons, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois? Tu saisis le sens profond de ma phrase? Ou est-ce que je t'ai déjà égaré depuis un moment? Donc voilà, là on a notre extension. Là, là franchement, on y va tranquille. Enfin, comme d'habitude d'ailleurs. On y va doucement parce que. Parce que c'est, il y a de la musique derrière, donc on y va doucement, tu vois. Non, pas, on y va doucement parce qu'il n'y a pas besoin de se presser. Non, c'est pas une course. Et que j'ai envie de pouvoir eh bien, exploiter, trouver de nouvelles techniques en même temps. Parce que c'est en buildant qu'on devient un builder. En gros, c'est à force de builder que vous allez. Pardon, je vais la faire à la boîte à meux. D'ailleurs, il fait des tutos en ce moment, si vous voulez aller voir. Il a fait un tuto sur les arbres, je vous en parlais la dernière fois. Ben, il en a fait un. Donc, le lien dans la description. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, si vous voulez apprendre à builder, comment on dit? À builder, ouais, non, c'était drôle. Je n'ai pas la prononciation de boîte pour dire build. Vous lui demanderez, vous, par Skype ou sur une de ses vidéos, de lui dire, de le dire. C'était moi, on s'était bien amusé quand on s'était foutu de lui pour ça. Ça faisait penser à build. Il disait, allez, on va builder. Builder. Ouais, voilà, bref. Bref, c'est pas grave, c'est la grande famille de la Deep Academy, c'est très étrange, c'est que du foutage de gueule, mais tout ça dans l'amitié la plus sincère. Alors ici, mon gars, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne question, ma foi. C'est une question très très intéressante. En fait, moi-même, je ne le sais pas. Ce qu'on peut faire ici, il faudrait que j'y réfléchisse plus en détail, donc je vais continuer à regarder la maison pour me dire qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus. En tout cas, sachez qu'on va faire un zeppelin, un petit zeppelin pour le mettre ici. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a peut-être une possibilité que je fasse un petit village steampunk aussi. Donc, mais bon, c'est quand même assez long, comme vous pouvez le voir, de faire une maison. Donc on verra. On verra, on verra. Eh ben, c'est quoi, mon gars? On va mettre une autre, un autre, une autre. Je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait. Et si on mettait un autre engrenage, tu vois? Mais un autre engrenage qui... Là, je suis en pleine réflexion conceptuelle. Si on mettait un autre engrenage qui servirait à rien, en fait... Non, qui servirait. Non, un autre engrenage relié à quoi en fait? C'est ça que je me demande. À quoi cet engrenage peut-il être relié? Sinon, ce qu'on peut faire, tu vois, c'est vu que là on a un atelier. Vu que là on a un atelier, vous êtes d'accord pour dire ça, qu'il y a une cheminée, donc il y a de la vapeur. Ok, là vous me suivez forcément, du moins j'espère. Donc, ça veut dire que cet atelier est sur toute la partie basse de la maison, logiquement. Ou sur une partie de la partie basse. Ce qui fait que logiquement, on pourrait avancer une cheminée sur une partie basse, donc une autre cheminée. Au-dessus de cette cheminée, on pourrait mettre une sorte de d'éolienne agencée par rapport à la vapeur d'eau qui sort de cette cheminée, qui cette éolienne entraînerait elle-même des engrenages, tu vois, qui ferait que cette maison serait de plus en plus bizarre. Que j'apprécie fortement. Mais étant donné que cette vidéo fait déjà plus de 23 minutes, parce que je parle beaucoup, je vais donc devoir vous laisser me le rappeler si je l'oublie dans les prochains des épisodes, mais vous laisser sur ce qu'on a fait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en ma compagnie. Tous les liens pour les plus intéressés d'entre vous, Twitter, Skype et les liens que j'ai mentionnés pour les vidéos sont dans la description ou quelque part sur ma chaîne si vous cherchez bien. Sur ce, je vous dis à plus, à bientôt, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo qui sera postée quand je pourrai la tourner. Donc voilà, soyez patients et sur ce, à plus, allez, salut!